c'est un genre de rodéo sur les déferlantes au beau milieu de la mer d'Iroise, là où les vagues de l'Atlantique terminent leur course folle en se mélangeant au courant de marée. Armés d'un simple fil de pêche et de quelques leurres, les marins de ce Far West breton risquent leur peau pour l'un des poissons les plus recherchés des côtes françaises, le bar. Le temps d'une marée, nous avons suivi deux pêcheurs plutôt du genre téméraire. Jean-Marc Guilcher est aux commandes de ce qu'il appelle son char d'assaut. Quant à Mick Rosen, ne vous fiez pas aux apparences, il n'a pas sa langue dans sa poche lorsque les choses tournent mal. Tous les deux, ils sont originaires de l'île de Sein et chacun dans leur style, ils chevauchent leur monture surpuissante pour affronter une mer démontée. L'un pêche du côté de Ouessant, l'autre au large de l'île de Sein. Ah ben non, on est bien. On n'a même pas un bar aujourd'hui. Bon, il n'y a plus qu'une solution, il y a balancé un des deux à l'eau pour commencer. Hein. Savoir lequel qui empêche de pêcher. Nous sommes à la fin du mois d'août, il est 7h du matin. Mick, le patron d'Arflamen, a déjà filé ses lignes dans les remous de la chaussée d'Armen, non loin de l'île de Sein. Pour lui, cette journée commence très mal. Carrément le bateau avec la déferlante. Et une fois que le bateau est rempli, ben, il n'est plus tellement navigant. Hein. Et autrement, tu peux te faire éjecter, te chavirer carrément. Quoi. Quand il fait mauvais, il faut tout le temps regarder autour de toi. Hein. Non, c'est foutu. Alors que Mick désespère que les courants tournent à son avantage, nous mettons le cap sur l'île d'Ouessant. Au pied du phare du Créache, sur son bateau La Chimère, Jean-Marc attend encore l'arrivée en masse des footbassans. L'arrivée de ces oiseaux marins est le premier signal pour commencer les hostilités. La chaussée de Keller est encore plus mal pavée que le rat de Sein. C'est un vrai champ de mine. Il faut être assez précis, là. Il y a des têtes de roche à fleur d'eau qui sont pas répertoriées sur les cartes. Un bateau de Dierne a déjà talonné ici, quelque part. Hein. On n'est pas loin, là. Donc, je fais gaffe en passant par ici. Souvent, quand je rentre, j'appelle souvent au téléphone ma femme ou quelqu'un, et quand je passe ici, je raccroche. Je dis souvent, pop-up, ici, c'est pas facile. Attention à toi là, je me laisse tomber en travers là. C'est le moment qui est le plus agité. Jean-Marc se laisse tomber dans la marmite. Autrement dit, il dirige son bateau dans une mer en ébullition, car c'est là, dans l'écume, que le bar vient se nourrir de maquereaux. Attention, attends. Mais attention, ici plus qu'ailleurs, ce sont les mouvements de la mer qui commandent. Et la moindre erreur peut être fatale. Bah écoute, là, pour éviter de se la prendre par le travers, là, je suis venu bout de dedans et... Bah, on a bien chargé, là, quand même. Là. On n'ira pas plus bas. Et ça a mordu, là. Ça demande beaucoup d'efforts au bateau et à ceux qui le pilotent pour avoir un poisson. 12 euros ou 13 euros le kilo pour tellement d'efforts. Quand tu sais qu'après, en poissonnerie, c'est 30 euros le kilo.
Ça paraît un peu dérisoire de vouloir gagner sa vie en tenant un fil au bout de sa main, mais... Mais pourquoi pas, je sais pas, c'est peut-être l'avenir, en fin de compte, d'une pêche douce et... En fin de compte, ne mord que ce qui veut mordre. Hein. Alors que Jean-Marc est en train de remplir ses caisses de poissons, allons voir ce qui se passe du côté de la chaussée d'Armen à l'île de Sein. Il est 11h. La force du courant a baissé, ce qui est plutôt bon signe pour Mick. Hey, vous allez passer où? Nous, on évite d'aller. Nous, on évite d'aller là. Vous allez passer dessus. Passez pas où est le poisson. Il y a assez de place pour pêcher une godaille ailleurs. Les moteurs éteints. Ouais, mais ça fait rien. Tu vas tomber où est le poisson. C'est pas bon. Puis moi, ma ligne, je vais la mettre là. Bah ouais, bah remonte. Parce que moi, je vais mettre ma ligne là. Fumier. S'il y a bien une chose que Mick déteste, ce sont les plaisanciers qui viennent tenter leur chance sans savoir qu'en naviguant n'importe où, ils éloignent les bancs de bar. La journée avait mal commencé pour lui, mais au bout du compte, le poisson commence à mordre. Et plutôt bien. Merde, j'avais balancé le bar à l'eau, oh la vache, tout va mal. Et là, mignon, un tonton ici. Bon, il y a du bar, il y a deux ou trois bars, je crois. Il y a d'autres que ça. Oh oui, il y a trop, je crois. Je trouvais bizarre aussi. Il est midi. Et la mer est à nouveau en train de forcir. À Ouessant, Jean-Marc s'est mis à l'abri. Le Steve du Chimère. Le Chimère du Steve? Ouais, le Steve, c'est le Chimère. J'ai pu avoir une idée du temps qu'ils annoncent toujours. C'est... La tour radar du Steve à Ouessant régule le trafic des cargos qui entrent ou qui sortent de la Manche. Mais les agents des affaires maritimes ont toujours un œil sur ce qui se passe en contrebas, dans la chaussée de Keller. Le STIF est donc une vigie précieuse en cas d'accident. On ne sait pas ce qui va se passer, voilà. On subit en fin de compte. Hein. Moi j'ai souvenir d'un gars qui me demandait combien il me fallait dans ma journée pour gagner ma vie. De lui avoir répondu que je prenais que ce qu'on me donnait de toute façon. Donc, je trouve ça, c'est ce qui fait le charme de ce métier-là aussi. Quelques minutes plus tard, les fous de Bassan sont de retour sur la zone de pêche. Ils commencent leur chasse. Avec les énormes déferlantes, les pêcheurs ne sont plus très nombreux sur l'eau. Pour les dernières minutes de pêche, tous les coups sont permis. Certains n'hésitent pas à passer sur la ligne des autres. C'est le jeu. Les ligneurs se font la guerre, mais en cas d'accident, en cas d'homme à la mer, ils seront tous solidaires. Car ces marins du bout de la Bretagne ont tous en tête un ami disparu. Quand on commence, on a un nœud au ventre là, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la saison. Là, on est sur la fin, on sait que c'est la période de mauvais temps, on sait que... Donc, on fait encore plus attention parce qu'on a envie de la finir la saison à 15 jours, 3 semaines près. On fait quand même attention. Quoi. Souvent, en sortant de là, tu as les genoux qui tremblent. Hein. On rigole pas tous les jours. En moins d'une demi-heure, Jean-Marc remonte des dizaines de bars plus gros les uns que les autres. Et le meilleur pour la fin. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce poisson-là, en tout cas. Je sais pas, quand tu le vois dans ta caisse, là,
C'est malheureux ce qui lui arrive, mais bon. Mais je sais pas comment je pourrais le décrire. Je sais pas, un chasseur comme nous. Enfin, je le comparais souvent à un pêcheur, quoi, toi. Il fait ça pour se nourrir. Enfin, il vient là, toi. Comme nous, hein, il se nourrit en fin de compte. Il est 13h, Jean-Marc rejoint Mick au large de l'île de Sein. Ouais, Mick, c'est Jean là. Ouais, où tu es là? Moi je te vois pas, j'arrive là. Ah, t'es à la bouée? Ah bon? Tu arrives ou bien. Ah, ok. Ok, très bien. Eh, dis-moi, faut qu'on speed hein, parce que sinon on va louper la vente. Hein. Donc, t'as beaucoup à embarquer là? 80 kilos à peu près. D'accord, très bien. Bon, ok, parce que là, on est à la bourre, il est ouais, moins quart. Nous, il faut qu'on soit avant 4h moins quart, il faut qu'on soit dans une heure à Audierne, quoi. La pêche est terminée. Commence alors une autre course contre la montre. Les deux pêcheurs de l'île de Sein ne veulent surtout pas rater la vente du jour. Allez, Sacco! Au large de l'île de Sein, Jean-Marc récupère la cargaison de Mick. Dans le monde des ligneurs, l'amitié est rare. Mais Mick et Jean-Marc se connaissent depuis longtemps. Leur père pêchait déjà ensemble. On n'est qu'en août, ça veut dire de venir en septembre. Bon, on y va, nous, Mick. Ouais, bon. Il y a cette connerie, c'est pelé. Cap sur la criée d'Audierne, le principal port de débarquement du bar de ligne. Jean-Marc Guilcher fait tout ce qu'il peut pour arriver à temps afin d'obtenir un bon prix. Je viens d'appeler la criée, là. Il m'a dit, putain, faites vite. Hein. On va voir. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de barres sur la criée, il y aura peut-être du prix. On verra bien. Alors, le verdict? Non, je dirais pas. Donc, je dirais pas combien on a pêché, mais bon, c'est bien. Pour 3 jours de pêche, c'est pas mal. Voilà. C'est secret, on va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. À la fin de cette marée, Mick, le patron d'Arflamen, aura pêché 80 kg de barre. Jean-Marc, le patron de Chimère, préfère se taire. Il garde ses secrets. Et il a raison. Il faut dire qu'à la pêche au bar de ligne, les places sont très chères. Les zones de capture rétrécissent à vue d'œil chaque année. Alors de plus en plus, les ligneurs professionnels flirtent avec les limites du raisonnable. Mais c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie.